Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour une nouvelle aventure dans Civilization 6. Chandra est super difficile en milieu de partie, enfin un petit peu avant le début quand il va choper ses varous. Ouh là là, ses varous sont vraiment dangereux. Mais bon. Tac tac tac. Gengis Khan. Non, il n'y a pas d'autres personnes dangereuses. Si jamais vous voyez des têtes que vous ne reconnaissez pas, c'est bien évidemment des mods. Alors, qu'est-ce qu'on... Non, franchement, il n'y a personne qui puisse me... Ouh, je l'ai oublié, lui. Oh, j'ai oublié Saladin. Saladin est... Oh, j'apprécie pas Saladin avec ses Mamelouks. Ses Mamelouks sont tellement puissants. Et sinon, les autres sont un petit peu moyens. Je peux prendre le guerrier. Tac, tac, tac. Ouais. Franchement, il n'y a pas de civilisation dangereuse. Voilà, Shaka Zulu est un petit peu fumé, je vous avoue. Parce que lui, il est vraiment guerre, guerre, guerre. Et puis, il peut avoir des unités en machin très très vite. Donc, on va mettre ces trois personnes-là. On va laisser les autres. Allez, on va rajouter. Non, non, je vais arrêter de faire ça. Sinon, ça va me prendre une partie qui va. Enfin, ça va être une partie qui va durer des années et des années. C'est pas ce que je veux. Regardez l'intensité des catastrophes. C'est allé à 4. Ben, on va le laisser à 4. On va voir ce que ça va donner. Premier frémissement de la vie sous l'eau
jusqu'aux grands animaux de l'âge de pierre et à l'homme se redressant pour faire ses premiers pas debout, vous venez de très loin. C'est dans ce berceau de la civilisation que commence votre longue quête pour découvrir les étoiles. Tous les peuples trembleront de crainte et de respect devant vous, grande guerrière et reine Tomyris, car c'est chevauchant votre étalon que vous observerez et guiderez le peuple Sith, et vous serez en première ligne dans toutes les batailles. Chevauchez, reine farouche, et puissent vos alliés être aussi loyaux que vos ennemis seront faibles. Oh yeah! Donc, tueur de Cyrus, puissance de combat plus 5 pour toutes les unités qui attaquent des unités blessées. Et si on arrive à tuer une unité, on va régénérer avec 30 PV. Punaise, mais c'est complètement fumé. Peuple des steppes. Chaque unité de cavalerie légère ou archer monté Saka formée est produit en double. Donc c'est comme si on avait l'arsenal de Venise, mais pour la cavalerie légère. La cavalerie légère est géniale comme unité parce qu'elle se déplace à au moins 4 unités. Malheureusement, ils sont pas très très bons ils sont bons au combat. En combat, ils sont très très bons, mais c'est juste que je trouve qu'ils sont assez faibles. Bon, déjà, il y a les lanciers qui les contrent très très facilement, mais je trouve aussi qu'ils meurent plus facilement, tout simplement. Les meilleures unités restent le guerrier, qui devient un spadassin, qui devient un mousquetaire, qui devient une infanterie. C'est les meilleures unités, il n'y a pas mieux. Avec leur promotion, vous êtes sûr en fait d'avoir des unités qui vont tenir jusqu'en bout de partie et qui seront complètement fumées en bout de partie. Donc là, en attendant que ça charge, on va couper rapidement. Ok, on va se lancer. Commençons la partie. Oh, alors, la petite Tomyris. Ouais, il va falloir que je fasse attention avec son nom. Qu'est-ce que nous avons ici? Je vais essayer de me rappeler un petit peu tout ce que j'ai dit, évidemment, dans les tutos. Et après cet épisode-ci, si j'en fais pas un second, je vais enregistrer le 5e épisode des tutoriels. J'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui, donc du coup, on va essayer d'en profiter. Là, nous avons du riz, nous avons ici des teintures. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de production ici, je vous avoue. Regardez un petit peu ce que j'ai. Là, si je reste ici, en fait, je pourrais avoir les ambres, enfin l'ambre, dans quelques tours. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc si jamais je me déplace, je vais pas pouvoir avoir ce qu'il me faudrait. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut imaginer sur le long terme? Sur le très long terme, parce que civilisation, c'est super difficile de prendre des décisions. Le truc, c'est qu'il faut avoir, il faut essayer de prendre les meilleurs décision avec le peu d'informations qu'on a en fait. Donc par exemple ici, si je fais ça, un aqueduc ou même un barrage ici, en fait lui il va monter en plus 2 et puis là on va choper des bonus de proximité. Donc ça peut être déjà quelque chose de pas mal envisagé. Là pour que j'ai le plus d'informations possible, je vais déplacer mon guerrier. Alors je peux aller par là pour avoir plus de champ de vision, pour découvrir plus la map. Mais je vais monter ici pour voir si ça vaut la peine en fait de mettre ma capitale par exemple là où se trouve là où j'ai mis ce petit marqueur. Je vais enlever les marqueurs, on va monter ici. Ok. Tac tac tac. En fait si je viens ici, je m'éloigne de certaines cases. Et je suis sûr qu'il doit y avoir des chevaux dans ce rayon. Parce que nous sommes Tomyris. Allez, on va se déplacer là, on va créer notre ville ici. Donc du coup, on a une case de nourriture, de production, ça c'est juste parfait, on a une case de nourriture. Donc soit je vais essayer d'avoir de la nourriture, soit je vais pas essayer d'avoir de la nourriture. On va commencer par un éclaireur. En divinité, je vous conseille toujours de commencer par un guerrier, ça vous permettra de vous défendre contre d'éventuels barbares. Mais bon, je me fais confiance, je ne devrais pas, je sais. On va essayer de voir ce que ça va donner. Donc là, vu que le jeu veut que j'aille par là, je vais peut-être y aller. Comme ça, on voit un petit peu ce qu'on a. Est-ce que je peux essayer de viser la case de la nourriture pour essayer d'avoir un de population en 4 tours? C'est bien mieux que d'avoir un éclaireur en 7 tours. Comme ça, ça me permettra d'utiliser d'autres cases. Éventuellement, mettre un de population ici pour avoir un panthéon assez vite. En tout cas, on a de quoi rusher, parce que ce que je vais faire... encore une autre victoire militaire. Donc je vais rusher l'équitation ici. Donc construire un pâturage. Ça va se faire très très vite. Je vais essayer de voir si je peux construire
un frondeur le plus tôt possible. Donc là, on sait qu'il y a de l'eau. Comment je sais qu'il y a de l'eau? En fait, en regardant la map, on voit qu'il y a des petits rochers ici, comme des falaises. Donc du coup, je vais venir par ici. On va venir là. Ok, on voit une montagne et on voit rien du tout. Parce qu'il y a des collines dans le champ. De vision, bien évidemment. Ouh, c'est quoi ce petit truc? Kourgane débloque la compétence de bâtisseur permettant de construire une kourgane exclusive à la city. Donne 1 de foi. Or plus 1 et foi pour chaque pâturage adjacent. Impossible sur une colline. Ok. Et puis là, on a un petit barbare qui est là. Donc on va récupérer cette case qui me donne 40 d'or. C'est toujours ça. Et malheureusement, le guerrier va devoir revenir par ici parce que... Guerrier... barbare assez proche de moi. Allez. Ouais. Normalement, il a vu ma capitale. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le point d'exclamation? Je ne sais pas. Donc là, je suis à 2 de population. On va éviter de viser la nourriture. Donc du coup... Ouais, la production, c'est très bien comme ça. Comme ça, on a 1 de foi pour avoir notre panthéon le plus vite possible. Donc là, c'est très bien pour l'éclaireur. Tac. Oh, une mine de diamants, ça c'est très bien. On a pas mal de pâturages ici. Par contre, celle-là est à 4 cases, celle-là est à 3, celle-là est à 1 case. On vient de la choper, ça nous fait beaucoup de nourriture. Ok, on avance case par case. Ok, nous avons découvert qui? Presse-lave. C'est quoi ton bonus presse-lave? Loyauté plus 2 pour chaque bâtiment de campement. Ok. Ok, ok. Élevage arrive. Peut-être que je vais faire un bâtisseur. On va peut-être faire un bâtisseur. On va essayer d'aller par là. Voir si on peut voir d'autres choses. Bâtisseur ou colon? Où est-ce que je pourrais avoir un colon intéressant? Il n'y a pas vraiment de case intéressante. Bah, quand on va débloquer les chevaux, ça va nous permettre de faire... de prendre une meilleure décision. Je vais commencer un colon. Je vais commencer un colon en priant pour choper en fait un village. Ouh, regardez ça. Oh punaise, il y a trop de sel par ici. Il y a une... Oh punaise, mais imaginez un complexe ici, industriel. Donc là, est-ce qu'on a des chevaux qui sont apparus? On a 0 cheval en vue. Ici, punaise. Regardez où se trouve l'unité de cheval. Aïe, 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 c'est beaucoup trop loin pour moi. Donc si j'étais resté ici, ça aurait été 1, 2, 3. Qu'est-ce que j'avais dit? Non, parfois, il faut pas aller contre le jeu. Attends, mais c'est quoi cette case? Mais c'est quoi ces... tac, tac, tac. On va aller pour... exploitation minière. Donc là, je suis obligé d'amener en fait un colon par ici. Sinon, je pourrais pas avoir cette ressource-ci. Ok. Oh, grenade. Punaise, nous sommes entourés de civilisations guerrières. Est-ce que je suis le premier à les voir? Tomiris. Et ici, c'est... c'est Tomimi. Ok, ben c'est parfait. Donc là, en fait, on a 4 de production quand on produit les colons, par exemple. Donc c'est juste... c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Donc là, j'en ai 2 parce que ça vient de Preslav, mais je gagnerai un petit au prochain tour. Ok. Si jamais il y a un camp par ici, il y a peut-être une merveille, qui sait. Une merveille naturelle, j'entends. Alors là, si je pouvais découvrir une cité-état culturelle, ce serait juste le combo parfait pour moi. Culturelle ou scientifique, je dirais pas non. Ok, il y a pas mal de ressources ici. Ok, nous sommes en milieu de map avec... enfin, on est un petit peu au nord quand même. Je pense que si on va encore plus au nord, on verra la toundra. Ok, Preslav va choper cette case, c'est sûr. Donc en fait ici, ce que je pourrais imaginer, c'est une ville par exemple là ou là. Comme ça je peux choper... 1, 2, 3... comme ça je peux choper les diamants. Et en même temps, je peux mettre un complexe ici. Non, un complexe là, un... Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Donc là, du chocolat. Alors, le jeu a tendance. Nous avons découvert le désert blanc. Donc le désert blanc, regardez ça. Mais c'est complètement bien. C'est complètement génial.
Si jamais il y avait des chevaux ici, c'est le meilleur emplacement pour notre colon, bien évidemment. Donc là, nous avons 4 pour la production d'unités. En fait, l'emplacement de la capitale, c'est tout pourri. Tant que j'ai pas de Si mine, l'homme parvenu c'est à pas bien du tout. Donc là, qu'est-ce qu'on va choisir? Discipline ou alors topographie? Je vais prendre discipline et puis production, plus 1 dans les villes. Voilà, comme ça on produit encore plus vite. Commerce vers l'étranger, j'espère trouver un second continent. Toi, tu vas monter sur cette colline, il n'y a pas de chevaux par ici. En fait, dès que je. Si jamais je vois cette ressource-là. Ok, donc là, il y a un camp barbare qui s'est fait raser. Je me base que sur la position de ce guerrier-là, donc il est en train de se soigner. Soit il a été attaqué par quelqu'un. On peut faire un tour, ok. Ouais, c'est ce dont j'avais un petit peu peur. Soit il y a cette chaîne de montagnes qui me sépare avec une autre civilisation ici, ou alors je suis sur un continent tout seul. J'ai pas changé le choix de la map, donc nous sommes sur une carte continent. Tu vas venir ici? Ok. Ah ouais, il y a beaucoup de ces ressources, hein. Ok. Et je vais avoir un souci du coup. Tu vas aller là, et toi tu vas aller là. Et je vais être obligé d'escorter mon colon pour éviter qu'il se fasse. Ok, bon, ça va aller du coup. Donc, ce colon-ci. C'est toujours important de se mettre près. Non. Mais non, mais les merveilles naturelles. J'en ai pas parlé dans la vidéo de base. Mais regardez cette merveille. Avec juste une case dans la ville, j'ai de la science, j'ai de la culture. Donc c'est juste n'importe quoi. Là, le meilleur choix pour s'installer, c'est soit au nord, soit au sud de cette truc. Donc du coup, ici, en fait, nous sommes pas à côté d'une rivière, malheureusement. Donc je peux pas faire d'aqueduc. Donc en me mettant là, je ne vais pas avoir un aqueduc, je vais avoir un malus de population assez énorme. Par contre, ce que je peux faire, c'est avoir des cases de riz qui vont me donner des fermes, par exemple. Mais il faut que je me mette près d'ici, j'ai pas le choix. Je vais faire un second colon. Et puis voilà. Mais avant de faire le colon, on va faire un bâtisseur. Donc du coup. Ouais, j'ai besoin d'utiliser mon guerrier pour raser le campement qui est au nord. Sinon, ils vont créer énormément de soucis. En début de partie, c'est super chaud. Ouais, c'est super chaud. Si vous vous trouvez. Ok, exploitation minière. On n'en a pas trop besoin, mais je peux déjà aller vers le travail du bronze. Il faudrait tuer 3 barbares. Ça va pas se faire tout de suite. Ça demande un peu de travail. Ok, on va venir ici. Ok. Alors, le jeu aime bien me troller. Mais vraiment. Vraiment, vraiment. Parce que quand j'essaye d'avoir une victoire militaire, en fait, je me retrouve tout seul sur un continent. Et j'ai bien l'impression que c'est ce qui va se passer. Alors, où est-ce qu'il est? En cliquant, il était par ici. On va passer par le nord. On va passer par le nord parce que. Ah zut, il y a une colline ici que j'ai pas vue. Okay. Toi, tu vas venir là. On va créer ça. Si jamais il y a des barbares ici, ils seront rasés par grenade. Et puis Preslav s'occupe des barbares qui sont par là, par exemple. Donc il n'y a pas de souci pour nous. Par contre, je vais me mettre sur. Ouais, je vais me mettre sur le riz, j'ai pas le choix. Je vais gagner 3 de nourriture. Donc ici, je parie que c'est de l'eau, tu vas venir là. Ok, un autre camp barbare. En fait, si je les rase pas, je vais pas avoir la paix. En plus, les raser me donnerait tellement de bonus. En Erascore. Ok, nous avons ici notre bâtisseur. Notre bâtisseur qui peut faire des choses intéressantes. Hein. Comme par exemple venir ici et faire une mine. On va lancer un guerrier ou un frondeur? On va lancer un frondeur pour essayer d'avoir l'Eureka du tir à l'arc. Il faut
faut essayer d'avoir le plus de récap possible. Punaise. Je pensais qu'il y avait un peu plus de terre, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Tu m'as eu, le jeu. Tu m'as eu. Y a pas de souci. Alors là, c'est une prairie avec une colline, donc ça reste pourri. Donc... Allez, tu vas venir ici. Ouais, sur une case de désert. Donc lui, évidemment, il va pouvoir me tuer plus facilement. Je vais me mettre en défense. Étant dans une forêt, j'ai un bonus défensif. Donc quand il va m'attaquer, il va pas pouvoir m'attaquer comme il faudrait. Donc là, il a pris assez cher. Il a pris 34 de dégâts, alors que moi, j'en ai pris que 30. Il m'aurait fait beaucoup plus mal. Donc là, si je fais une mine, en fait, je vais avoir deux... Non, je vais venir ici et je vais faire le pâturage. Voilà. En fait, mieux vaut le pâturage qu'une case ici qui me donne 2 de production. Parce que j'ai déjà une case qui me donne 2 de production. Je suis en train de travailler celle-là. Donc, c'est pas grave. On va revenir en arrière. On va faire ça. C'est pas un souci. Donc là, je vais faire cette ville ici. Et je suis d'accord avec vous. C'est pas le meilleur emplacement. En fait, qu'est-ce que je vais viser à long terme ici? Déjà, là, je vais choper pas mal de nourriture. Bon, grâce à la case, c'est pas ce que je voulais dire. Je vais choper pas mal d'or, en fait, avec ce que j'ai ici. Mais surtout, c'est les forêts qui vont être super importantes. Donc, j'ai pas mal de forêts autour de moi. Ça va me permettre de faire quelque chose de pas mal. On a 3 Eraskor parce qu'on s'est mis près d'une merveille naturelle. Et puis là, pour ceux qui ne sont pas convaincus que les ressources bonus ne disparaissent pas qu'on se mette dessus, bah, j'ai 3 de nourriture parce qu'il y a le riz. Donc ici... 3 de nourriture, c'est pas mal. On peut viser une case avec un peu de nourriture aussi. Et je me demande qu'est-ce qui est le meilleur. Est-ce qu'on essaie d'avoir un de culture et un de science en plus? Parce qu'on peut travailler une de ces cases-là, mais par contre, on va prendre énormément de temps avant de... Parce que nous avons un petit malus de population. Donc là, je vais viser la nourriture pour qu'en 10 tours, on puisse avoir quelque chose. Et je vais lancer un monument. Le monument est vraiment important. Toi, tu restes juste en défensive, mon petit coco. Et du coup, toi, tu vas partir à la chasse. On va essayer de voir si on peut trouver des colons. Donc là, j'ai pris un niveau. Je te remercie. Boum. Je vais prendre un déplacement dans les forêts. Parce que là, il y a pas mal de forêts. Je pense que ça va nous être assez utile. Donc, par exemple, ici, je peux faire une carrière ici. La carrière va me donner un Eureka, donc on va faire ça. C'est de la science gratuite. Voilà. Toi, tu peux venir ici. Et puis après, je vais faire une mine, ce qui va me donner aussi un Eureka. Il faut viser les Eurekas en début de partie. Donc là, le guerrier a disparu. J'ai rien perdu comme PV. Trop classe. Et oui, c'est comme ça. Donc là, comme j'ai détruit une unité, en fait, j'ai été guéri. Ok, par contre, lui, ça va être une autre paire de manches. Je vais venir sur la colline et je vais venir chercher le village. Donc toi, tu vas venir... Alors, il y a 2 Eureka que je pourrais obtenir. Si je fais une mine, je vais choper un Eureka pour la roue. Par contre, je peux faire la ferme pour avoir l'irrigation. Irrigation, ça peut être assez utile parce que j'ai la teinture ici, j'ai une teinture là aussi. Donc on peut imaginer des choses intéressantes. Et surtout, ça me donnerait beaucoup, beaucoup plus de nourriture par tour. Allez, viens faire ta dernière charge sur le riz. Ça sera très bien comme ça. Donc là... On va essayer d'acculer un petit peu cet éclaireur et le finir avec le frondeur qui arrive. Allez, rapproche-toi de la ville, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est quand tu veux. Bon. Ok, il se rapproche petit à petit. Nous avons notre frondeur. Je vais mettre le frondeur ici. Le guerrier, je vais le mettre là. Je sais pas pourquoi. Et on va lancer un colon. Je pourrais faire un monument très très vite en cette tour. C'est peut-être le meilleur choix. Mais un colon, ça sera bien. J'aimerais commencer à accumuler en fait des chevaux. Donc toi, tu vas aller de l'autre côté. Regardez, je suis sur une partie d'île tout seul. Donc là, en fait, quand vous avez ça, il faut pas essayer de... Non, je fais pas une pause pour être plus dramatique ou quoi que ce soit. Ah, j'ai chopé artisanat. Ça craint. Ça craint. Donc là, par exemple, j'aurais dû faire... la ferme pour choper artisanat, parce que artisanat, c'est aménager 3 cases. Donc en fait, la 3e case allait être aménagée. Le pire, c'est que j'y ai pas pensé, en fait. Je pensais pas que mon bâtisseur était dessus. Donc sinon, j'allais faire la ferme, j'aurais eu mon Eureka de base.
j'aurais eu deux eureka, enfin une inspiration artisanat et puis l'eureka de l'irrigation. Et du coup, en fait, en ramassant le village ici, j'aurais eu autre chose. Autre chose. Est-ce que je peux l'attaquer? Ouais, bien sûr. Jamais attaquer au-delà de la rivière. Sauf si vous avez confiance en vous-même. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais déplacer mon unité ici. Et je vais rester un tour ici. En fait, je veux pas le tuer. Je veux pas qu'il se sacrifie sur moi. J'aimerais le tuer avec le frondeur. Donc ça va me faire mon deuxième barbare quand il va mourir. Il m'en faudra un troisième pour accélérer un petit peu ça. Regardez, c'est maintenant que le camp apparaît. Ok, donc du coup... tu vas aller par là. Et toi, tu vas aller par là. Ok. Là, on va essayer de le coincer pour essayer de le finir. Donc là, notre ville, 5 tours. Avant d'avoir un de population. Est-ce que je peux te finir, s'il te plaît, mon petit coco? Pas ce tour-ci. Quelqu'un a fait une merveille depuis tout à l'heure, mais je ne l'ai pas lu. Je l'ai lu, grand bain. C'est génial comme merveille. Ok, il va par là. Donc là, je vais devoir... ouais. Le frondeur. Ok. Vous avez vu que le lancier était sorti. Le lancier sort toujours quand c'est un archer ou un frondeur. En fait, il se sent plus fort, donc du coup, il sort. Ce qui permet de clean facilement l'air. Regardez ça. Il veut m'agresser. Il faut pas se laisser faire. Donc là, je peux venir ici. J'ai pas de bonus de contournement, mais je peux quand même l'attaquer. Ok, on va l'attaquer. Qu'est-ce qui va se passer? Si jamais il meurt sur moi, ça compte normalement. J'adore les normalement dans Civilization 6. Donc là, je peux pas attaquer cette unité, parce qu'elle arrête pas de s'enfuir. On va choper un deuxième de population ici. Un bâtisseur sera intéressant ici. On chope cette case, on donne de la nourriture à la ville. Et c'est pas mal. Donc là, il a décidé de ne pas m'attaquer. Donc du coup, je vais le finir avec mon frondeur. Voilà, j'ai mon eureka. Finalement. C'est tellement rare que j'en suis un petit peu fier. Par contre, le jeu ne l'a toujours pas mis à jour. Ok, donc là, on va se rapprocher. On va buter notre troisième unité. Donc, du coup, travail du bronze. De bronze, je vais le changer. On va aller vertir à l'arc. Ah non, je suis trop rapide pour le jeu, en fait. Il n'a pas le temps de mettre à jour les informations. Et je vais avoir un colon. Le meilleur endroit pour le colon, en fait, c'est un milieu de map. C'est par exemple ici ou là. Il y a tellement de forêts à ramasser. J'ai mon panthéon. On va regarder quel panthéon je vais choisir. Et je ne vais pas essayer de lier la religion à la guerre. C'est trop de travail. C'est trop de travail. Je sens là mon énergie qui diminue déjà. Fois plus 2 pour les carrières. Mine construite sur les ressources de luxe et bonus. Mais regardez ça. Avec ça, j'aurais tellement de fois. Ça serait 6 de fois. Ici aussi. Ouais, il y a pas mal de choses en fait. Ok. Non, il faut essayer de voir. On va essayer de choisir quelque chose de correct. Géothermique, production pour la construction des quartiers. Un bâtisseur apparaît, croissance de la ville plus 10%. Je vais prendre rite de fertilité, je crois. Ouais, rite de fertilité, c'est vraiment un bon... c'est un bon choix. Production plus 1, plus fois plus 1 pour les ressources stratégiques aménagées. Ouais, non, ça c'est pas top. Il faut avoir énormément de ressources stratégiques pour que ce soit un bonus assez fumé. Je vais pas avoir de lieu sain. Non, croissance pour la fertilité, c'est très bien, je pense. Ouais, croissance plus 10 et puis un bâtisseur gratuit. C'est le bâtisseur gratuit, en fait, qui m'intéresse. J'aurais pris celui du colon. Ok, donc toi, tu vas venir par ici. Je vais faire cette ferme, ici. Tu vas venir ici, déjà. Donc, toi, tu vas aller dans la forêt. Et toi, tu vas venir ici. Et j'ai fait un mauvais choix. Bon, il va pouvoir venir qu'ici. Mais il va pas sortir du campement, sinon je vais le raser. Alors, où est-ce qu'il peut être? J'ai pas vraiment besoin de lui. Oh, Saladin! L'échange d'informations
sur nos capitales. Là, je vais accepter de le faire. En début de partie, il faut jamais faire ça. Jamais partager sa capitale. Mais là, je sais qu'il y a la mer qui me protège. Donc, le temps qu'ils viennent avec ces mamelouks, j'aurai trouvé mes propres mamelouks. Donc, du coup... Non, il n'y a pas de mamelouks pour nous, malheureusement. Ok. Voilà, travail du bronze. Nous sommes à un tour, donc je vais faire ça. On va raser le campement, ça me donne 3 Erascore. Nous sommes à 28 minutes déjà, punaise. J'ai l'impression d'avoir commencé le truc. Donc ici, qu'est-ce qu'on va choisir? 2 cases de nourriture, il faut arrêter maintenant. Donc là, je vais choisir un de science, un de machin. Je pourrais même choisir ça et ça. Est-ce que la ville va être affamée? Regardez ça, ça me donne 13 d'or, juste parce que j'ai ces 2 cases là. C'est vraiment, vraiment n'importe quoi. Donc là, je peux acheter un grenier si j'avais débloqué le grenier, mais j'ai pas fait le grenier, malheureusement. J'ai pas fait la poterie, donc j'ai pas le grenier. Colon dans 3 tours. Dans 3 tours, tu vas pouvoir aller où? On va le mettre ici, comme ça on peut avoir ici cette case-là. Non, t'inquiète, mec, je t'ai vu. Travail du bronze. J'ai aussi un Eureka, donc j'ai trouvé une autre cité-état. Ou c'est une autre cité-état qui m'a trouvé, plutôt. Alors, j'ai pas vu le... Un deuxième continent découvert. Ok, c'est cool. Je pensais avoir philosophie politique. Ok. C'est premier empire avec 6 de population. D'accord. Oh, la ville est descendue à 1. Ah, je me suis fait avoir. Ouais, c'est ma faute. Hein. Ok. Donc là, vous allez venir ici. Tech. Choisir une technologie. Astrologie. Je vous avoue que lier la religion avec Tomiris, c'est juste parfait, parce qu'elle a ses constructions, son aménagement un petit peu spécial, là, qui me donne de la foi. Mais voilà. Choisir une technologie, du coup. On va aller vers le tir à l'arc. Je vais avoir besoin de 3 choses avant de commencer à faire des guerres. Il ne m'aime vraiment pas. Oh là là, tu me brises le cœur, mon petit Saladin. Il m'a brisé mon petit cœur. Donc là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir mettre un quartier, un campement par exemple. Le campement dans la capitale, ce sera un petit peu abusé, je vous avoue. Il n'y a pas de bonne case. Non, je peux réfléchir pendant des heures, il n'y a pas de bonne case. Allez, viens donc là. Choisir un dogme, premier empire, artisanat. Allez, va vers artisanat. J'ai besoin de débloquer les 2 trucs de toute façon. Ok, bah ce campement va être rasé. J'espère que je vais arriver juste pour prendre la dernière case. Donc toi, tu peux être là. Si je fais une mine, ça me donne de la production en même temps. C'est toujours ça. Ah, j'ai oublié de changer. Mais j'allais rien changer. Donc c'est pas un problème. Ok, donc toi, on réfléchit pas, on t'amène par là. Je peux me mettre directement sur les chevaux pour avoir directement la ressource sans utiliser un bâtisseur, mais on va pas faire ça. Pourquoi? Parce que la case ici est vraiment délicieuse. Ça nous donnera une case, 3 de nourriture et 2 de production. Et en fait, je vais pas pouvoir m'installer là, c'est dommage. Je voulais m'installer ici, comme ça je peux faire un campus assez délicieux en plus de là. Un port ici, ouais. Le mieux ce serait de me mettre sur eux, mais c'est pas possible. Bah, je me mettrai là du coup, c'est pas un problème. Alors, le monument, le campement. Si je fais un campement dans cette ville, je vais devoir acheter une case. Alors, quelle est la pire case à acheter? D'ailleurs, le 4e tuto, c'est sur l'emplacement des quartiers. Il a été enregistré il y a au moins un mois, je l'ai juste pas monté. Mais j'espère le sortir pour ce mercredi-ci. Ou jeudi au plus tard. Et du coup, il y a un truc que j'avais oublié de dire, c'est par rapport au quartier, toujours essayer d'avoir... Enfin, c'est pas toujours essayer d'avoir. C'est les bonus de proximité qui priment. Mais si jamais vous arrivez à mettre des bonus de proximité assez fumés sur... des cases qui sont inutiles, c'est le top. C'est vraiment le top. Par exemple, il ne faut pas raser des forêts. Raser des forêts, c'est vraiment dommage. Il faut le faire dans un cas extrême, parce que vous allez avoir un bonus fumé. Donc il faut utiliser des cases un petit peu pourries, comme celle-là. Ou alors les plaines.
Alors, où est-ce que je peux mettre un campement? Le campement, ça peut être assez intéressant parce que je vais commencer à générer des points. On voit déjà qu'il y a des personnes assez belliqueuses. Comment est-ce qu'il s'appelle? Chaka. Je suis sûr que Chaka est dans le top. Pour lui, en fait, c'est primordial d'avoir les campements, donc du coup, il va le faire automatiquement. L'autre personne, je ne sais pas qui c'est. Je me rappelle plus qui est-ce que j'ai mis dans la partie à part lui. Ah, il y a Gorgo. Non, il y a Gorgo. Ouais, c'est jamais une bonne nouvelle d'avoir Gorgo dans la partie. Bâtisseur, 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 colon. Un bâtisseur, j'ai besoin d'un bâtisseur pour cette ville. Je vais pas acheter de bâtisseur, je vais pas utiliser mon argent de cette manière. Ouais, tu peux rester là si tu veux, tu peux pas te déplacer, t'as pas le choix. On va aller par là. Regardez où se trouve le fer. Comment vous voulez que j'obtienne du fer? Que j'agresse la petite civilisation? Je peux faire une mine ici, ça me donnerait deux de production. Alors, je me dirige vers cette case-ci. Parce que la ville va la choper, je pense. Soit celle-là, soit celle-là. Ou alors une case merveille naturelle. En fait, j'aimerais essayer cette ça. On va essayer notre. Oh, yabadabadou. Alors, cette Kourgan incarne l'esprit de notre civilisation et définit le paysage de notre empire. J'espère être dans un âge d'or, sinon, c'est vraiment une perte de temps. Regardez ça. Regardez cet aménagement tout pourri. Déjà graphiquement, c'est pas un truc de fou. Mais un d'or et un de foie, quoi. Ah, j'ai honte pour toi, Tomiris. Donc là, tu vas me choper un d'or. J'ai pas besoin de ça. Chope-moi ça. On va faire ça comme ça. Ouais, j'ai vraiment. Là, c'est vraiment juste pour le faire, quoi. Tac, tac, tac. Ok. Donc là, on avance. Malheureusement. Alors, il peut se sacrifier sur moi, mais comme il est en défensive, il va pas le faire. On va s'arrêter dès que je mets ma capitale. Donc là, je ne peux évidemment pas avoir de construction sur les merveilles naturelles, c'est impossible. Et je vais venir sur la mine. J'étais déjà sur la mine, mais bon. J'ai fait une bêtise. Regardez ça, il y a une chaîne de montagne qui m'empêche d'avancer. C'est juste assez abusé. Ok, ce campement va être rasé. Si seulement je pouvais le raser moi. Ah ben non, 50 pièces d'or en plus. Il gagne plus d'or que moi. J'ai tiré une flèche Ok, dans tir à le l'arc. fer. Donc du coup, notre frondeur peut être monté de niveau. On va mettre toi ici. Je vais mettre notre colon. Ok, on a navigation à voile. Donc du coup ici, qu'est-ce que je peux faire? Un monument, un négociant, un bâtisseur. On va faire un monument. Punaise, la ville a pris super cher. Et du coup, on va s'arrêter là. Donc, comment est-ce que ça va être dans cette partie? Je vais pas pouvoir faire ce que j'avais prévu de faire. En fait, j'aurais dû prendre la Pangée, tout simplement, au lieu de me prendre la tête, parce que là, je vais être obligé d'aller vers le haut de l'arbre technologique, débloquer ça, débloquer l'astrologie, tout ça pour avoir accès à construction navale. Non, j'ai pas besoin de l'astrologie du coup. Je vais avoir besoin de cette technologie-ci, comme ça mes unités peuvent aller dans l'eau. Mais il faut que je passe par l'équitation pour choper mes cavaliers et peut-être les sakas. Portée 1, puissance à distance de 25. Ouais, ce sont des archers qui se déplacent plus vite en fait. Ouais. Non, je sais pas comment ça va être cette partie. En tout cas, ça commence pas super bien. Vraiment pas. Et je vais pas pouvoir agresser mes voisins tout de suite, tout de suite. Donc, non, il faut toujours être un petit peu patient. Le fer ne m'intéresse pas, je vous avoue. Donc, du coup, j'aurais pas craché dessus. J'aurais vraiment pas craché dessus. Mais en attendant, on se retrouve avec ce qu'on a et on va essayer de faire du mieux qu'on peut, comme dans la plupart des parties de civilisation. Donc là, en attendant le prochain épisode, je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur Memoria. Allez, salut!